Shalom, bien-aimé Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 6, c'est le verset 20. La Bible nous dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, la Bible dit ceci, que vous avez été rachetés, nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as été racheté à un grand prix, c'est ce que tu dois savoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Tu as été racheté à un grand prix. Tu appartiens à Dieu. Tu dois savoir qu'une fois que tu acceptes Christ dans ta vie, automatiquement tu commences à appartenir à Dieu. Tu es devenu son ouvrage. Tu n'appartiens plus à ta mère ni à ton père. Tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ta responsabilité est de glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. Donc tout ce qui est à toi appartient maintenant à Dieu. Ta vie maintenant est de glorifier Dieu. Ce que tu as à faire dans ta vie, c'est de glorifier Dieu nuit et jour, de lui remercier, de faire son travail, de lui demander ce qu'il faut faire, qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire. Dans la prière, tu dois glorifier son nom. Comment le glorifier dans ton corps? C'est quand il y a la maladie, quand il y a des problèmes. Tu dois faire en sorte que tous ces problèmes-là puissent s'arrêter. Tu dois faire en sorte que le nom de Dieu puisse être glorifié, le nom de Jésus puisse être glorifié. Quand il y a la maladie, tu dois chasser la maladie. Tu dois invoquer la puissance de la guérison. Quand il y a des problèmes, tu dois glorifier Dieu. Tu dois chasser ces problèmes dans ta vie. Que le nom de Christ Jésus soit glorifié dans ta vie. C'est comme ça que tu dois le glorifier dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. Donc 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Glorifiez Dieu. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, comment le glorifier dans ton corps? C'est quand il y a la maladie dans ton corps, chasse cette maladie. Quand il y a des problèmes, fais en sorte que tous ces problèmes-là puissent devenir positifs. Puisse glorifier Dieu. Que tu puisses toujours avancer dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Glorifier Christ Jésus dans ton corps et dans ton esprit qui lui appartiennent. Que Dieu te bénisse.